l'honneur de rencontrer Monsieur Steve dans la rue à Kilifi. Et il m'a expliqué qu'il était directeur d'une école à Kilifi, enfin dans les alentours de Kilifi. Et aujourd'hui, on a été invité à venir visiter son école. Alors, je vous présente Steve. Steven. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Welcome. Okay, we are now in Linda Morningstar School. We have different type of classes from baby class up to standard 8. Baby class means the kindergarten. Kindergarten, yeah, okay, yeah. Primary school. Ici, c'est une petite école de la petite enfance, donc des tout petits enfants jusqu'à 8 ans. How many kids around in this school? We have 186 kids. 186 élèves dans cette école. They never saw this, huh? Yeah. It might come like this. Okay, ready? Abigail. Most of them are coming from all around. Yeah. A few from Kilifi and some from the other side. Okay. It's a mix. It's all mixed. Yeah, we have Muslims here. Okay. And Christians. And Christians. Yeah. Alors cette école, elle est mixte pour la religion. Donc c'est catholique ou musulman. Les enfants viennent des alentours de cette école. Et voilà, tout le monde est à la même école. I did for you this morning brownies. Okay. And you can share with the teacher and maybe the kids. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et aussi, I don't have a lot of presents for you, but okay. I have few that was in my boat for merci. The kids. Merci. Merci. Et aussi, une donation for the school. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Encore! Again? Yes! Okay, again! You said it's your school? Yeah. But how you get this belt up? Who is paying for that?
Okay, the parents are paying. There's some fee. The parents. Yeah, there's some fee that the parents are paying for their kids, for their children. That means poor parents cannot have the children in the school. Yeah, but then we took some. Okay. We took some for free. We sponsored some. You sponsor some kids. Some kids. Okay, we cannot sponsor all of them. No, of course, but sure. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So we took some. Donc le principe, l'école a été fabriquée par Steven. Mm-hmm. Et puis, ils ont fait en sorte que d'avoir le plus possible d'élèves ici. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Donc, ils en ont une vingtaine qui sont vraiment, qui viennent gratuitement ici. Et tous les autres, c'est les parents qui payent pour qu'ils puissent venir ici à l'école. Mm-hmm. Parce qu'autrement, ils n'iraient pas à l'école. Autrement, ils n'iraient pas à l'école. Mm-hmm. Otherwise, they don't go to school. They don't go to school. Exactly. But because we wanted to build like, the relationship, mm-hmm. yeah, we took some of them. Some parents are able to pay in the to government help, school. Yeah. Yeah, to help to pay in the government school. Mm-hmm. But there's some who cannot pay. It's free normally education, but then there's the examination fee, mm-hmm. some other small money. In the country it's free. It's free. Okay. It's and free. that means this one it's a private school. Yeah, it's private. Okay. It's private. L'éducation est gratuite, mais le niveau est loin d'être ce qu'on imagine. Donc c'est pour ça qu'ils ouvrent des écoles privées pour un niveau légèrement supérieur mm-hmm. de personne. Mm-hmm. That's right. Yeah. You understand my French? A little. A little bit. Un petit peu. Un petit peu. J'ai donc pris une ligne directe, mais alors vraiment direct de chez direct, là, un plus, un moins, pour aller directement sur les toilettes. Et puis voilà quoi, donc voilà le résultat. Alors petite explication ce matin, pourquoi est-ce qu'il y a des fils électriques qui pendent dans notre salle de bain? Je pèse sur le bouton pour tirer l'eau. Ça ne fonctionne pas, ou une fois sur 20. Donc, ce que Michel a fait, il a pris une ancienne pompe pour la démanteler et en faire une nouvelle avec encore une ancienne. Donc, soi-disant qu'on a une pompe neuve, mais ça ne marche toujours pas. Et ça fait des semaines, voire des mois que je lui dis que ce n'est pas les pompes qui fonctionnent mal, c'est les fils électriques. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Bon, je vais vous dire, moi j'y connais rien du tout. Mais c'est une intuition féminine. Donc, nous allons voir si j'ai raison. Et ça fait des mois que ça dure. Ça va marcher?
J'espère, je cherche un peu toutes les pistes pour savoir pourquoi ce moteur électrique n'a pas plus de pêche. Donc là, je tire un câble directement depuis la batterie et je vais tester, je vais voir si ça change quelque chose. Est-ce que j'ai une perte de puissance quelque part? J'ai pas réussi à isoler le problème, donc là, je fais du direct, vraiment le plus direct possible. Et puis on verra bien ce qui se passe. Suite dans un tout petit moment. Alors, ça, c'est la ligne d'origine. Voilà. Que je mesure, hein, pour voir combien il y a réellement de voltage qui arrive ici en bas. Donc là, je mesure uniquement plus et moins. Alors, j'ai 13,32. 13 volts 32. Ok. Maintenant, je vais mesurer la ligne que je viens de tirer depuis les batteries en direct, qui est ici. Et je vais voir combien j'ai. Donc, c'est celle-là. Ouais, 13,34. Il n'y a aucune différence. Hein. 13,34, 13,32. Mais là, maintenant, on est en direct. Donc, et puis en fonctionnement, il tire 19 ampères, il tire 20 ampères, 20 ampères cette petite pompe à la con. Ah ouais, non, mais elle est marquée 18 ampères, ouais, c'est juste, fusible 30 ampères, non, c'est juste, donc elle fonctionne juste. Mais est-ce que j'avais raison? Écoute, tu as... Oui et non, parce que là, j'ai fait une ligne directe. Donc maintenant, ce que je peux encore faire, c'est isoler soit le plus, soit le moins. Donc, on va encore juste faire un petit test tout con. C'est que j'enlève le plus qui vient droit des batteries. Là, lui, il vient droit des batteries. Donc, regarde, t'as du courant. Ah, t'es fou! Et puis, je vais remettre le plus d'origine. Puis après, je fais la même chose avec le moins. Comme ça, je peux encore séparer les deux lignes, si ça fait une petite différence. Alors là, j'ai remis la ligne normale. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Si je reprends le plus des batteries, c'est rigolo tout ça. Yep. Il y a un petit bruit de différence. Ouais, là, ça a l'air plus puissant. Il a l'air un poil plus puissant, mais c'est vraiment du 0,02 volts. Donc, c'est dérisoire. Maintenant, je vais tester la ligne le moins uniquement et puis reprendre le moins d'origine. Ça, c'est en ligne directe. Donc là, j'ai remis le moins d'origine. Donc le pôle négatif d'origine et qui lui semble bon. Et il y a vraiment une baisse de tension sur la ligne, sur le plus. Alors là, il faut que je contrôle toute la ligne complète. Il y a une petite différence, effectivement. Alors on va laisser celui-là provisoirement quelque temps pour voir ce qui se passe. Là, il y a plus de pêche. Ah, au niveau bruit, il y a une différence. En direct, ça a l'air plus puissant. Ouais, mais là, je suis direct batterie, sans fusible, sans rien du tout. C'est vraiment pour faire un test. Mais maintenant, ce câble-là, qui se balade dans le bateau, ben, il faut que je le suive complètement pour voir partout. Est-ce qu'il y a vraiment, la perte, elle est absolument dérisoire. Et avec ce que j'ai mesuré, je comprends pas, c'est vraiment très très faible. Bon, là je suis en ligne directe, je voulais juste voir l'ampérage en ligne directe. On est à 21 ampères, et puis la ligne d'origine, elle est à... La même chose, même ampérage. J'ai suivi toute la ligne, j'ai tout démonté ce qui était démontable, et puis ben, la section elle est parfaite, tout nickel, et puis après je me retrouve avec
un pont qui a été fait là. Celui-là, à la limite, il a passé. Par contre, j'ai trouvé encore un autre petit pont où j'ai trouvé ça. Voilà, donc c'est le problème. On a simplement une énorme chute de tension parce que le courant passait pas là. Il avait beaucoup de peine à passer. Voilà, tout était sous gaine thermorétractable et tout, donc sans démonter, sans tout ouvrir, j'aurais rien pu voir. Voilà, la cause est trouvée, donc le câble est remplacé et les toilettes semblent fonctionner. Donc, résultat final, je crois que j'avais raison, hein, c'était un problème électrique, c'était pas un pompe de, pas un problème de, du macérateur. Bonsoir, la Mena. Ouais, ça marche. Pour combien de temps? On verra. Balade en moto, avec la musique. C'est cool, non? Dans ton blog que tu as rencontré le domadaire sur une île déserte. Ouais. Eh oh. Ah voilà. Ça vous montre qu'ils sont devenus ouais, ils sont devenus monstrueux, nom de Dieu. C'est pas le con là. Si la main fâchée, la main crachée, hein. Tu connais. C'est-à-dire qu'il veut manger. Maïs. On recrache pas dans l'assiette, c'est pas bien. Ils sont pas très habitués au maïs. Ouais. Wow. Voilà. Ouais, non, non, tu t'es pas petit, ça va la tête. Loupé. Elle veut pas. Elle a mangé des citrons. Oh, les dents. Des tartrages, hein. Voilà, Charlotte. Ça va. Oh, mais ça va faire plaisir à la petite Charlotte qu'on connaît, qui a 4 ans. Regarde Charlotte. Qu'est-ce que t'es grande, Charlotte. Une esthétique. If this was the end, I'd pretend. Hope that I'm gonna let me go because I hustled out.